nettoyer des chevaux. Je vais vous montrer comment nettoyer un cheval. Je vais vous montrer avant. J'ai des petites plantes ici. Je l'aime trop. Puis il y en a une que je trouve trop mimi. C'est trop cute. Que vous aurez besoin d'un bleu d'eau. Des éponges comme ça. Ouais. J'ai pris ça au Dollarama. Le prix. Ça coûte. Puis les étapes, là, c'est des éponges pour voiture. Fait que. C'est ça. Les petites étapes. Il y a la première étape, rincer. Deuxième, vous commencez à frotter. Et l'autre, c'est ça. C'est vous lavez. Fait que là, c'est ça. J'ai pris. Vous pouvez prendre du liquide vaisselle comme ça. Moi, j'aime ça. J'adore le salon. Là, en fait, je vais m'en remettre parce que ça fait des heures que je nettoie avec. J'ai nettoyé mes chevaux en plastique. Tous les chevaux qui sont différents. Pas les chevaux. Parce que j'ai des chevaux en plastique. Je vais vous les montrer lesquels parce que vous le savez pas c'est lesquels. Et j'ai deux broyeurs. Fait que les deux broyeurs, je vais vous les montrer c'est lesquels. En fait, c'est une jument de dressage. Puis, avec des grosses taches, c'est pas bien par là. Puis, il y aura aussi bien les trucs, il y aura aussi. Puis, en fait, il faut prendre des serviettes pour votre tableau de travail, amener vos chevaux, un plat, comme je vous ai dit, et après, vous avez qu'à les dresser. C'est ça. Bon, là, je vais vous montrer des nouveaux chevaux. J'ai deux nouveaux chevaux. J'ai ce cheval-là que j'ai eu hier. Elle s'appelle Soleil. Je l'adore. Elle est trop belle. J'aime trop sa posture. Ça, c'est un cheval du propriétaire. J'ai hâte de vous amener en visite de mon centre équestre. Là, ici. Puis, j'ai un nouveau cheval. Là, c'est pas un Paco. Là, c'est un Schlesch. C'est ça. Moi, je l'ai appelé Balto. Avec des petits trucs comme ça, là. Ça. C'est ça. Puis en fait, la fille du propriétaire, c'est elle. Puis elle, c'est une Schlesch. Puis elle, c'est la fille du Schlesch. Puis elle, c'est la fille du propriétaire. Puis un cheval Schlesch, ben avec une propriétaire Schlesch, je trouvais. C'était cool, à la place d'être avec un papa. Ok, bon. Là, ici on a mes deux brailleurs, ici on a tous mes chevaux en plastique d'année, et ici on a un safari puis un Schlesch, ici on a un cheval de collection, ici on a mes deux chevaux en plastique, mon nouveau cheval, la femme du propriétaire, qui est la belle-mère de la fille du propriétaire. Bref, je vais pas vous commencer à vous faire une liste complète. Et on commence! Que là, je vais faire. Je pense que j'ai parlé depuis le début. Je vais commencer par Balto. Que je vais vous montrer. Je les rince. Puis après, je vais prendre ça. Puis je le frotte. Je frotte bien aux petites tresses. Je frotte bien partout. Ah, puis il y avait une petite tresse ici. Une petite boule. Puis il y avait une petite tresse. Fait que. Allez voir la chaîne YouTube d'une de mes amies. Le nom de sa chaîne YouTube, c'est Megan Croteau. Fait que c'est pas de.
Puis c'est M-A-N-G. Et C-E-A-U. Ben, vous allez voir, écrivez Croteau, là. Mégane Croteau. Bon, allez. Je sais plus comment. Et, alors, au début, c'est T-O. Non, C-O-T-E-A-U. Ça, c'est Mégane Croteau. C'est sa chaîne YouTube. C'est ça le nom. Fait que j'espère que vous allez aller voir sa chaîne. Elle a 4 abonnés, je pense. Maintenant, fait que c'est ça. Elle n'a pas beaucoup fait de vidéos, mais elle en a fait des vraiment bonnes. J'aime beaucoup les vidéos qu'elle a faites, fait que vous voici. Moi, je suis en train de Je vais vous le montrer dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques heures qu'elle sera sec. Je vais mettre à côté. Là, je m'essuie les mains, hein, pour prendre. Et là, je vais prendre avec le cavalier. Le cavalier, c'est un petit peu différent. Là, je vais tout de suite le faire ça comme ça parce que les cavaliers, lui, eux autres, j'aime plus ça. En fait, le cheval, lui, c'est plus facile. Là, c'est pour enlever les bactéries parce qu'en fait, il touche deux fois. En fait, ça touche à toutes. On touche au cavalier, puis après, tu prends le temps de bien mousser. Là, après, je vais faire un. Là, vous pouvez rincer. Après, vous allez bien envelopper la poupée que vous avez. Puis faire ça. Comme ça. OK? Là, vous allez bien faire ça. Bien, bien, bien. Là, si tu peux vous mettre pas ça. OK? Parce que vous avez ça. OK? Là, après. Bon, là, c'est ça. OK. Là, je vais aller bien rincer. Là, je vais aller rincer mes mains. Les cavaliers d'habitude, les c'est pas trempé comme ça. Je vous invite à aller voir les Instagram de. Je vous invite aussi d'aller voir M&M Schlesch. Demandez-le. Captivant, pas ça. Captivant, captivant. Tantôt, je vais vous montrer quelques trucs. Je vais vous montrer mon écurie vide. J'ai pas le temps de la laver, je sais. Pas la laver, de la. Voyons donc, je vais commencer à laver ma chambre d'abord. Je vais me remplir un seau. Puis je vais. Regardez, j'ai des. Oh! Ok, là en fait, vous allez tout ramasser la mousse. Tu vas bien ramasser la mousse. Et après, tu frottes. Là après, tu vas ramasser. Tu vas laver ton éponge. Très important. Là, je sais peut-être pour du monde, j'aurai un accent, puis peut-être pas. Ça dépend pour le monde qui regarde. S'ils trouvent que j'ai un accent québécois, c'est pas mal. S'ils trouvent que j'ai un accent français, je sais pas pourquoi. Je viens de Victoriaville. Je viens de Victo. Fait que, c'est ça. C'est la première chaîne YouTube que j'ai faite de toute ma vie. Je suis contente. Je suis fière de moi. Puis en fait, je voulais célébrer mes
mes 3 abonnés. En fait, 4 parce qu'il y a une de mes amies qui n'arrive pas à s'abonner, puis elle m'a dit bon, je m'ai abonné à toi, mais j'arrive pas, fait que compte-moi comme une de tes abonnées. Je vais pas dire son nom parce que c'est mon téléphone personnel. Puis, Méga Photo, ça c'est son nom de sa chaîne YouTube. Ça c'est son nom de sa chaîne YouTube. Méga Photo, ça c'est son chaîne YouTube. Bon, je vais. J'ai fait une vidéo avec elle. C'est Sly Comestible. Now. Je vais vous montrer des nouvelles trucs. Fait que pendant que ça sèche, suivez-moi. Ok, bon, 10. Comme tantôt. Parce que ça fait 3 fois que je reprends, que je refais cette vidéo. Bref, là on passe dans ma chambre. Ici, on a mon nouveau centre équestre. Dédicace ici. Ça, c'est le coin du propriétaire ou que le champ des chevaux. J'ai installé mon mur là. C'est ça. J'ai acheté. Ça, tantôt, je vais vous le montrer. C'est trop cool, hein? Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer mon centre. Qu'est-ce que... Je voulais vous montrer mon centre. Les endroits ont un petit peu changé. Vous voyez le petit truc là-bas avec... Les petits trucs qui avec un mouton là. Ça, ben, c'est l'endroit, l'enclos des poneys. L'enclos des poneys. Et vous avez vu, j'avais pas de carrière. Mais dans le champ, elle va me servir de carrière, le champ. C'est ça que je manipule depuis tantôt, ok? J'ai ça, mais en faisiez-vous pas. Je vais pas changer mon nom. Je vais pas faire une autre chaîne. Parce que j'ai du sable extensible. Puis aussi, j'ai du slime. Et en fait, vous pas, je vais pas commencer à me faire une chaîne YouTube de slime. Et ça sent la barbe à papa. Moi, je trouve que ça sent le yaourt à la vanille. Ok, fait que c'est ça le slime. Ah, mon doigt est pris là. Mon doigt est pris là. Bref, désolé, c'est parce que là, j'étais obligée. Bref, ok. Dans bientôt, je... Non, c'est pas dans bientôt. Ah! Je suis pris! Je vais retourner après. Ah, j'aime pas ça être pris. Là, je vais aller... On va aller reporter mon slime. Puis t'as mis de jouer avec. Bref, je joue depuis 2 jours avec. Je l'ai eu hier. Puis aujourd'hui. J'ai cela. J'aime beaucoup ça. Si vous voulez que je fasse une joie dans ma peau, bien sûr, là, en fait, à cause des temps de programmation de la vidéo, le temps que la vidéo charge, le temps que la vidéo se poste, ben, ça va faire ça. Là, faut que j'aille vite vous montrer le cheval et la cavalière. Let's go! Là, on a tous les chevaux à laver, mais je vais le faire tantôt. On a le cheval. On a la cavalière complètement, presque toute lavée. Ça sèche vite. Et on a le cheval, comme je vous disais, la petite tresse. Vous n'allez pas voir les détails. Ah, peut-être que oui, le macro, ça veut bien se faire. Ah oui, vous voyez bien les petites tresses. J'aime bien ce cheval. C'est mon premier chlèche après lui. Ça, c'est mon deuxième chlèche, bref. Mon troisième, ouais. Non, mon quatrième. Ouais, mon quatrième chlèche, parce que l'autre, c'est un code
puis l'autre c'est un. C'est un cheval, un Pégase. Un Pégase. Ce que je voulais vous dire, au revoir et à la prochaine!